ゼルダの伝説スカイワードソード、前回までは tu as regardé sur le côté, je t'ai fait confiance, hein, parce que on doit se faire confiance dans un couple, c'est connu, la confiance est hyper important, et tu viens de me trahir, chérie. Ah, oula oulala oulala, j'aime pas ce qui se passe là. Est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant? Et boum dans ta gueule, un gros rocher. Oh. Ils sont mignons. Oh putain, te voilà toi. Salut. Link to no bouken ga tsuzuku. Alors, aujourd'hui ça va être un épisode de la loose. Déjà parce que vous l'avez entendu, j'ai joué le chant des tempêtes et il pleut dehors. Ou plutôt, il pleut dehors et j'ai voulu jouer le chant des tempêtes pour faire genre c'était de ma faute. Mais il pleut. Du coup, il y a du bruit de fond. Je suis désolée, vous allez entendre la pluie tomber sur ma terrasse et mes chaises en plastique et les peaux de ma mère. Alors qu'il fait très beau dans Skyward Sword, vous le remarquerez, il fait magnifiquement beau, Link regarde à droite, à gauche, il y a un petit peu de vent, mais c'est pas grave. Voilà, première chose. Deuxième chose, aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu agaçant pour moi, parce qu'il faut absolument que je fasse les quêtes annexes qui nous manquent et que je n'arrive pas à faire toute seule. Donc je me suis dit que peut-être avec votre soutien que vous êtes en train de me témoigner maintenant, spirituellement, psychologiquement, à travers l'écran, j'allais peut-être y arriver. Parce qu'il nous reste Célestin avec ses citrouilles à la noix, ça tombe bien, on n'est pas loin d'Halloween, peut-être que ça va marcher. Il nous reste le gars avec ses foutus rubis, sa roulette là, que j'arrive pas à faire. Il nous reste le gars des insectes, alors lui je vais pas encore lui cracher dessus parce que j'ai pas essayé son jeu, donc peut-être que ça va bien se passer. Et en dernier, si je me souviens bien, il nous reste l'épreuve du dragon de foudre. Et cette épreuve consiste à rebattre la totalité des boss qu'on a déjà fait dans le jeu. Elle est-il pas belle la vie? Voilà, donc on a tout ça à faire pour réussir à libérer Morsego, récupérer les 5 derniers cristaux de gratitude il me semble, et enfin aller libérer Zelda qui attend dans le passé que je vienne la sauver parce que Ghiraim a voulu jouer les kidnappeurs, comme il l'a toujours fait en fait. Voilà, donc Link est en train de s'échauffer. Moi j'essaie de m'échauffer psychologiquement un petit peu à affronter cet épisode de la loose et de la rage on va dire. Il est fort possible que je rage quit à un moment. Mais je me suis fixé des objectifs. On va faire les mini-jeux 5 fois. À chaque fois. Donc c'est-à-dire 5 fois Célestin, 5 fois les rubis, 5 fois le gars aux insectes et 5 fois le dragon de foudre. En espérant que sur ces 5 fois et que sur ces 4 épreuves, il y en ait au moins une que je réussisse aujourd'hui. Bref. Passons le cordon de l'épée de légende à mon poignet droit. J'ai un petit pain au chocolat, j'ai de quoi boire, donc j'ai du ravitaillement. J'espère que vous aussi. Et on va tout de suite commencer par Célestin. Ce que j'espère, c'est que ma Wiimote va pas commencer à me taper les couilles. Bon. On va voir ça. Hein. Je vous interdis de vous moquer si je me plante, s'il vous plaît. Un petit peu de respect pour la pauvre dinde et nulle que je suis. Mais je vais faire mon mieux. Je risque fort de tirer sur la tête de Célestin en fin de partie si jamais il m'a trop craché les bonbons. Pour rester parlé. Oh putain, Célestin, allez, s'il te plaît, quoi. Je suis ton pote, donne-moi ce quart de cœur sans que j'ai besoin de tirer sur tes citrouilles à la noix de coco, là. Ah, Link, c'est terrible. L'île de la déesse a disparu.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vois. Toi, tu sais tout. Je suppose que c'était nécessaire pour que tu retrouves Zelda. Très bien. À présent, quoi qu'il arrive, je ne serai plus surpris. Tu dois à tout prix retrouver Zelda. Laisse-moi jouer à ton jeu de citrouille. Merci. J'ai du fric, mais j'aurais bien aimé qu'avec Link, on dépense notre argent, nos pauvres petites économies dans autre chose. Bon. A priori, je suis pas trop mal à nous. De toute façon, là, ça va pas être vraiment l'habileté à cause de la Wiimote, ça va être de savoir viser correctement. Et c'est très dur parce que monsieur, il s'est mis à changer quand ça le range. Comment on tire déjà? Oh merde. Comment on tire? Pitié, 500, pas plus. Si tu me dis 600, oh si tu me dis 600, la con de toi. Oh, t'es sérieux? Il faut que j'en ai 600. Ça veut dire quoi? J'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Bon, on a encore 3 essais. La technique que j'ai trouvée de rester sur une ligne horizontale a l'air pas mal. Mais là, je suis vraiment déçue parce que j'étais persuadée que c'était 500. Mais 600, vous vous rendez compte? C'est quand même énorme! Ça veut dire que j'ai pas le droit d'en rater une seule. C'est vraiment pas cool. Je sais pas comment me mettre. J'y arriverai jamais, hein. C'est trop difficile. Allez, va te faire foutre, tu m'as gavé, casse-toi, va mourir. Il est temps d'aller s'énerver sur un autre jeu. Non, j'arriverai pas à faire 600 points. Alors lui, ça va être une autre histoire d'énervement. Non, je suis pas avide de sensations fortes, je veux juste avoir tous mes quarts de cœur. Tu peux me mettre au milieu, s'il te plaît? Non. Tu n'es pas du tout au milieu, mec. Merci. Bon, allez.
5 fois le canon. C'est parti, Link. Alors. Non. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh ! C'est ça, c'est obligé. C'était bon. De peu. Tu me fais pas le coup. Tu me fais pas le coup. Tu me donnes mon cœur de cœur. Je sais que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui ? Oui, mon cœur de cœur, mon cœur de cœur. Je sais que j'en ai un. Je sais que j'en ai un. Ok. Bon. Bon, ok. Ça... J'ai plus envie de tuer Célestin. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, merci. Ok, cool, je veux plus jamais te revoir. C'est fini, c'est fini. Je me casse, je ne veux plus te voir. Au revoir. Et on va aller tout de suite à Célestbourg sauvegarder cette saloperie parce que je ne recommence pas. Ouh. Fantastique. Hop la boum. Allez. Salut Link, la vie est belle. Pourquoi je souris d'un air béat? T'as remarqué, hein? Je vais te le dire, j'ai trouvé l'insecte le plus rare du monde. Raconte. Je vois que j'ai piqué ta curiosité. Eh bien, tu vas être déçu. Tu vas pas être déçu. J'ai réussi à dénicher le légendaire Golopha Demonicus Rex. Ah oui, non, mais celui-là, il est déjà à quelqu'un, mec. Il n'en existe quasiment plus. Quelle chance, c'est un vrai miracle. J'arrive pas à arrêter de sourire. Comment ça, c'est l'insecte de Terry? Le Terry qui se balade toute la journée dans sa boutique volante? Pauvre Terry. J'ai pas l'impression que tu réalises la valeur de cette petite bestiole. Le simple fait de l'avoir ici avec moi fait grimper ma renommée en flèche au sein de la communauté des chasseurs d'insectes. Ouais, mais c'est pas le tien. C'est mal de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est sûr. Mais je peux pas me résoudre à te le donner comme ça pour rien. Je sais que je devrais pourtant. J'ai une idée. Prouve-moi que tu es le plus grand chasseur d'insectes qui soit et je te rendrai ta précieuse bébête. Quel connard! T'en dis quoi, tu relèves le défi? Allez, va. Les affaires sont les affaires, va falloir me donner 10 rubis. Putain, mais t'es un connard. Tu vas devoir attraper 10 insectes de mon choix. Je te chronomètre, tu as 3 minutes pour t'exécuter. Si tu réussis, je te donnerai le Golopha Demonicus Rex. Allez, c'est parti. Ouh là là, j'ai jamais fait ça, je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, le premier essai va être raté.
j'avais eu l'autre. Je sais plus à combien j'en suis. 3. Il m'en reste 2 fois. Je sais que je peux y arriver, hein, mais putain. Fourmi, mante religieuse en haut. Cigale en haut. Sauterelle en bas. Papillon en bas. Libellule, les bousiers. Ouais. Il faut que j'arrive à faire. Que je commence par la montée, en fait, je pense. Et comme ça, après, j'ai plus besoin d'y retourner. Ils demandent globalement les mêmes. Ouais, ok, après c'est parti. Voilà, je t'ai eu. Ok. Ne tombe pas. Ok. Ok. Alors, bousier, sauterelle, papillon. Ok. Ok. Donc il me manque juste un bousier. On va reprendre le même bousier là-bas. Ok, je l'ai eu, j'ai tapé ma manette, on s'en fout. Allez, avance, Link. Descends. Ça va, t'es content? Ok, c'est terminé. Je pensais pas que tu y arriverais si facilement. Très bien, chose promise, chose due. Tu peux prendre le Golofa Démonicus Rex. Faut savoir s'incliner, sinon tu vas finir par prendre la mouche. Cool. Eh ben... Dis bien à Terry que je m'excuse si je lui ai causé du souci. Non, je lui dirai pas parce que t'es qu'un gros connard et que tu comptais le garder si j'étais pas venue te... botter le cul. Allez, poteau. Ah, non, attends. Ne pas dormir, 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Oh, wow, bienvenue à la boutique de Terry, monsieur client. Hein, tu dis quoi? Tu as trouvé mon... bon, c'est pas le moment de parler de ça, je risque de nous faire nous écraser. On en rediscute ce soir, ok? Va piquer un petit roupillon sur mon lit en attendant que la nuit tombe. Oui, je m'en serais douté. Je t'ai parlé histoire d'eux parce que t'avais une petite bubule disant que tu avais des choses à me dire. Mais je savais qu'il fallait que je fasse dodo. Dodo! Nice. Allez, rendons-lui son petit insecte. Comme ça, on va récupérer les derniers cristaux de gratitude normalement. Hey boy! Hi. Qu'y a-t-il? Tu veux me montrer quelque chose? Rex. Mon dieu, il a
a les yeux qui pétillent. Tu l'as retrouvé, merci mille fois. Pour te remercier, le prochain article que tu m'achèteras sera à moitié prix. Je te dois bien ça. Yes. 5 cristaux de gratitude. Normalement, on les a tous. 80. Yes, baby. Allez, retournons voir ce cher Morcego pour lui annoncer la bonne nouvelle. Hey, Morcego! Oh, vous avez récolté tous les 80 cristaux de gratitude! Oh, merci, merci mille fois! Veuillez accepter ceci avec toute ma gratitude! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez obtenu la bourse de Star! Voilà qui impressionnerait même les plus fortunés. Vous pouvez y ranger la somme astronomique de 9000 rubis. Ah, mais c'est le mec dans... Twilight Princess! Le gars qui est changé en or! On verra ça quand on attaquera le jeu ensemble. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous sera utile. Je n'arrive pas à y croire, j'ai assez de cristaux de gratitude pour devenir humain. Je me demande si ça va marcher, et si ça ne marchait pas, j'ai le cœur qui bat la chamade. C'est... Oh! Ça va pas marcher. Ah non! Alors, de quoi j'ai l'air, Link? J'ai compris. Pas la peine de répondre. Votre visage en dit long. J'ai tellement changé que ça vous laisse bouche bée. Je vous suis éternellement reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre en harmonie avec tous les habitants. Are you fucking serious? Tu es aveugle, mec, on peut plus voir tes yeux. Ou alors c'est les tout petits traits qu'il y a là? T'as pas beaucoup changé, mais au moins t'es humain, ouais. Alors, qu'en pensez-vous? Vous ne m'avez pas reconnu, pas vrai? J'ai l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais c'est génial! Est-ce que du coup ils ont pensé à Miyu? Est-ce que maintenant Miyu est libéré, les gens? On va avoir la réponse à notre question. Je suis un peu trop excitée par rapport à ça, non? Ouais, je crois. On va se calmer. C'est qu'un petit chat. Un petit chat trop mignon. Ouh, je vais me casser la gueule. Ne tombe pas, Link, s'il te plaît. Je sais qu'on est très très content d'avoir sauvé notre pote Morcego. Bon, avant que j'arrive à mettre 9000 rubis dans mon portefeuille, il va y avoir du temps. Par contre, on va vite vérifier. Miyu, tout de suite, est-ce que je peux dormir chez quelqu'un? La première maison, c'est toi là. Ah, mais c'est Kiko. Nice. On va dormir dans un lit poussiéreux. Parce que je suppose que sa mère n'a pas refait la poussière depuis que je suis venue. Ouais. C'est pas grave, Link. C'est juste pour vérifier si Miyu va bien. Si elle va bien... Ah, elle est peut-être chez Arfan. Si elle va bien, normalement, puisqu'il disait qu'il la mettait dehors parce qu'elle faisait des trucs bizarres. Mais maintenant... Oui, je m'en vais. Oui, bien sûr. Vous devriez vraiment nettoyer votre maison, madame. Mais c'est bien Link qui fait le ménage, égalité homme-femme, je suis tout à fait d'accord. Miyu! Oh! Ah! Tu es sauvée! Tu es sauvée! Oui! Oh non! Elle va bien, elle va bien! On a sauvé Miyu! Oh, c'est trop bien! Oh, ma choupette d'amour! Oh, bah oui. Oh, trop bien. Oh, je suis contente. Salut, Morcego. Hey, on peut parler? Non? Tu veux pas parler? Si. Oh, Link, il avait bien longtemps que je n'étais plus sortie me promener. Il n'y a plus aucun monstre par ici. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que je sois devenue humain? C'est possible. Oui, je m'en doutais un peu. Lorsque j'étais un démon, j'émettais malgré moi une aura maléfique. Mais à présent que je suis humain, elle a complètement disparu. Et c'est grâce à cela. Et grâce à cela, les habitants de Salisbourg peuvent mener une vie paisible. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Oh, je suis contente, ils y ont pensé. Mais oui, chérie. Oh,
Mais t'es trop belle. Y'a plus aucun monstre donc. Qu'est-ce que... Mais vous êtes combien? Mais... Mais qui de vous deux est Mamie You? Qui de vous deux est Mamie You? Mais... Donc moi qui croyais que c'était... Que c'était des... la même Miou qui se téléportait. C'est en fait plusieurs Miou. Il y a plusieurs Miou. C'est pas vrai. Oh non. Oh non. Regardez-la. Regardez-la. Oh non. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Regardez-la. Regardez-la. Oh, j'en peux plus. Oh, je suis désolée. Oh, mais vous êtes belles. Vous êtes des sœurs. Alors, ça, toi c'est Miou et toi c'est Piou. Voilà, Miou et Piou. Oh. Monsieur le dragon de foudre, est-ce que votre épreuve est prête? Oui, je pense qu'elle est prête. Bonjour Link, content de te revoir. Qu'est-ce que tu dirais si on s'amusait un peu? Mais un valeureux guerrier comme toi n'a pas de temps à perdre avec des futilités, n'est-ce pas? C'est pourquoi je te propose de revivre les épreuves et combats que tu as rencontrés jusqu'à présent. Le meilleur moyen d'apprendre est de tirer les leçons du passé. Alors, qu'en dis-tu? Let's go! Ça, c'est une réponse digne d'un grand héros. Bien, laisse-moi jeter un œil à tes expériences passées. Je vois, tu as accompli de nombreux exploits. Tu as combattu des monstres redoutables et tu as dû triompher des psysalis. Très bien, je vais te permettre de revivre ces deux types de défis. Quoi, des psysalis et les monstres? Du coup, pour avoir le bouclier d'Ilia, je crois que c'est les combats, mais du coup, on va vérifier parce que j'ai pas envie de me lancer dans les psysalis si ce n'est pas ça. Je dois toujours avoir mon bouquin de code pas loin. D'accord. Donc, en effet, les psysalis ne me donnent que des rubis. Ouais, ou un trésor très rare, mais du coup pas de quart de cœur ou le bouclier ilien. Par contre, du côté des boss, on a bel et bien un quart de cœur si on arrive à battre 4 boss. Et pour avoir le bouclier ilien, il faut en battre 8. Bon. Autant je me dis que 4 c'est peut-être possible, autant je me dis 8, j'ai moins, je suis moins confiante. Déjà, j'aimerais te remettre droit. Hop, voilà, combat. Va pour un combat, ton enthousiasme me plaît. Tu vas te retrouver face aux plus redoutables adversaires que tu as combattus jusqu'à présent. Je vais utiliser mes pouvoirs pour recréer tes combats passés. Évidemment, si tu gagnes, tu seras récompensé. La plus belle récompense est mon trésor le plus précieux, un bouclier sacrément solide. Mais attention, tu ne dois pas prendre ces combats à la légère. Si tu perds, c'est fini. Tu seras perdu à jamais. Ça veut dire quoi que je serai perdu à jamais? Ça veut dire que je peux pas recommencer? J'aime pas trop la perspective de tout ça, en fait. C'est bien, tu n'as pas froid aux yeux. Voyons. De toute façon, j'ai sauvegardé, donc je peux arrêter et recommencer si jamais il me dit que... Ah! Alors, du coup... Quels sont les boss pour lesquels j'ai eu beaucoup de difficultés? Je sais pas si... Milieu peut-être? Ah! Oh non, il faut que j'affronte le banni! Mais t'as... Oh non! Oh, ça aurait été trop facile. Alors, on va essayer de jouer stratégiquement parlant. Il faut que j'affronte 8 boss pour avoir et le quart de cœur et le bouclier. On va pas s'amuser à tout faire, je n'en ai pas envie. Et le problème c'est que je ne me souviens plus des noms. Dailoma, Daidagos, genre tout ce qui est le banni et Giraim. Je vais dire non.
coup, je suis obligée de choisir quelque chose. La bonne blague. Mince. Alors, je suis allée vérifier. Eh ben, Daïloma et Dadaigo, c'est exactement les deux monstres qui m'ont fait le plus peur et qui m'ont posé le plus de problèmes. Daïloma, c'est le gardien mille bras. Et Dadaigos, c'est le gars avec ses tentacules. Je sens que ça va être chiant. Mais on va essayer. On va commencer par Dadaigos, parce que autant Daïloma, je pense être un peu moins flippée. Mais Dadaigos m'avait vraiment posé problème. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as oublié de me dire? Ah oui, c'est peut-être un petit peu trop extrême. Oui, ça veut dire quoi? Je peux pas utiliser les objets de ma sacoche. Ça veut dire que je peux pas utiliser de fées, ni de potions, ni quoi que ce soit. Mais en fait, ça va être beaucoup plus difficile que prévu. Je vais jamais y arriver. Oh là là. Ah c'est ça, c'est Belladharma, quel con. Bon, je vais au moins avoir le fragment de cœur. Ce sera déjà ça, on va voir jusqu'où je peux aller. Ah mais il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête à chaque truc. Parce qu'il me dit l'enchevelu prochain, ça veut dire que ça augmente et que j'ai pas le... Oui, je crois que c'est ça. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête là pour avoir le fragment de cœur. Et à la prochaine fois, on enchaînera sur les 8 ennemis. Bon, bah écoutez, on va récupérer notre fragment de cœur. Non. C'est pas des risques inutiles, c'est juste que je veux d'abord ma récompense de sûr pour l'avoir. Voilà, ça y est. Et la prochaine fois, mon poteau, je reviendrai pour essayer de battre 8 ennemis. Ouais, salut !